Ok, alors aujourd'hui c'est le Mont Bourgo, environ 2930 mètres dans le parc national de Banff. 22 km de route, plus de 1500 mètres de dénivelé, avec plusieurs lacs sur la route. C'est notre monde, comme d'habitude, vous emmène voir les plus belles montagnes. Environ 730 mètres de dénivelé déjà. On arrive à un plateau et on voit le sommet derrière le soleil juste là-bas. On va arriver à un petit lac qui s'appelle le lac Bourgo. De là, on va faire une toute petite pause, un petit snack, ça fait 2 heures qu'on marche. Et puis on va démarrer l'ascension le long de ce ridge en fait qu'on voit derrière. On va faire tout le ridge, le ridge, le ridge jusqu'au sommet. Petite marmotte. Arrivé au deuxième petit lac. Avec le chemin qui part comme ça derrière. On est à 2440 mètres d'altitude et on a un dernier petit lac ici. Avec derrière, on va voir Assiniboine. Puis il reste encore 500 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Et voilà, la finale. Enfin, la finale, il reste un peu de route. Hein. Ce sommet est tout là-haut. Bon, ça monte. Hein. On est à 2700 mètres d'altitude. Elle n'est pas difficile parce que le sentier est quand même bien tracé. C'est juste de l'endurance rendue là. C'est jamais super abrupt. Oh, on y arrive. Dernière ligne droite. Et voilà, Bourgo, messieurs, dames. 2930 mètres. Pour rappel, on est parti de là-bas. On a fait toute la vallée qu'il y a derrière. On voit pas, on voit pas, on voit pas. Il y a le lac Bourgo, on voit le chemin qui continue, le deuxième lac, on a fait le tour de cette montagne, on a fait toute cette crête. C'est le paradis de la montagne, sinon je vous le montre. Voilà, complètement fou cet endroit.